el tiempo en el reloj. Dueño para cada uno de los dos. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos, y un beso robado queda siempre como antes. Eh ben ça alors, c'est un vrai miracle de vous trouver ici. Ah, ça va, Ivan. Bien ? Bien. Je peux te parler, s'il te plaît ? Ah ouais, bien sûr. Mais donnez-moi un instant, juste le temps de donner les formulaires fiscaux aux clients, en fait, et je suis tout à vous, d'accord ? Ah bon, parce qu'en plus, tu t'occupes de la comptabilité. Eh bien, ouais, je suis comptable et chanteur. Et enchanteur aussi, comme je dis souvent, vous voyez. Je reviens. Non, mais c'est que ce garçon est vraiment très dégourdi. En plus, c'est un bosseur infatigable. C'est intéressant, ça, oui. Et au fait, raconte-moi, comment est-ce que tu l'as connu, hein ? C'est un pur hasard. Par un disque. Attendez un peu. Voilà. La Sabrosura Nietzsche. J'y crois pas. Et en plus, tu sais, Amadeo, qui est son meilleur ami, il me l'a acheté. Et je lui ai envoyé dans son village. Et alors il s'est rendu compte en voyant la pochette de l'album que sa mère était chanteuse et qu'elle avait pas voulu lui dire pour le protéger. En fin de compte, il s'est avéré que l'homme qu'il avait toujours appelé papa n'était pas son vrai père. Ouais, exactement. Eh bien ça... C'est bon, je suis à vous maintenant. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, hein ? Ne me dites pas que vous allez m'annoncer qui est mon vrai père. Si, Ivan, on est venu pour ça. Non, sérieusement ? Me laissez pas mariner, alors ? Alors, écoute-moi bien. Tu vois, à cette époque, ta maman, la grande chanteuse de Sabrosura Nietzsche, était la fiancée de cet homme. Aristoteles Carso, le directeur de l'orchestre. Donc voilà. Ce visage, alors, c'est celui de mon vrai père. Vous voyez, j'avais un pressentiment, en fait. J'étais sûr que mon père n'était pas n'importe qui. C'était le directeur de cet orchestre, en plus. Oui, tu as raison. Oui ou non ? C'est bien ton père. Et alors, est-ce que vous pourriez m'aider à le retrouver ? En fait, eh bien, c'est sur ce point que cela devrait être plus compliqué. Vous ne savez pas du tout où il est. Et est-ce qu'on pourrait le chercher, ou... Aristo... Comment je pourrais t'expliquer, en fait, Aristo... Il est mort. Il est mort ? Mais comment c'est possible ? Comment ça se fait que personne m'ait mis au courant ? Normalement, dans ce kiosque, on est au courant de tout, et avant tout le monde ! En fait, c'est que la famille a toujours été très discrète, parce qu'elle ne voulait pas que les gens soient au courant de sa maladie, pour ne pas partager leur peine, tu comprends ? Oui, mais tu peux me croire, il est mort. Et d'ailleurs, j'ai été l'une des dernières personnes à être à ses côtés pendant ces derniers jours. Ah. Le jour même où je découvre qui était mon vrai père, il faut que j'apprenne qu'il est mort. Non, la vie ne peut pas être aussi injuste avec moi, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est très injuste que tu n'aies pas pu connaître ton vrai père. J'espère que tu comprends que je ne te l'ai pas dit au bureau parce que... Eh bien, je ne voulais pas t'annoncer ça comme ça, hein. Écoute, Ivan, je trouve que c'est très triste que tu n'aies jamais pu rencontrer ton père, tu sais. Et pour lui aussi, parce qu'il a perdu l'opportunité de connaître un jeune garçon extraordinaire, avec un très très grand cœur, très beau, et en plus doté d'un énorme talent. Eh bien, moi, tu vois, je suis sûr que de là où il est, eh bien... Il doit se sentir très fier de toi. Bah maintenant, au moins, je sais qui c'était, c'est pas mal. Et bien sûr, ouais, je me sens très fier d'être son fils, bien sûr. Et non, on va pas pleurer, on va lui rendre hommage. Il aurait aimé qu'on rende hommage à son œuvre, à sa musique aussi, comme tous les vrais musiciens, voilà. Roberto, hein ? Ne t'inquiète pas. Je te dis que ça va aller, ne t'inquiète pas. Hace que todo se estremezca en mi interior. Tú haces que mi alma se llene de calor. Me incitas a desear quererte más y más. Y de mi pensamiento no te puedo alejar. Tu forma de besar, mi boca hace temblar como un dulce tormento que me quema sin parar. Sin parar, no. Ah.
Ivan. Y a pas de doute, Amparo était une grande chanteuse, non? Et Aristo, lui aussi, c'était un génie. Maintenant, je comprends mieux pourquoi t'es comme ça, Ivancho. Bon... Alors, vous savez où est mort mon papa? Où? Eh bien... à Bogota. Mais quand? C'était il y a quelques années. Et dans quel cimetière on l'a enterré? Lequel? Oui, tu m'avais pas dit que tu avais été avec lui jusqu'à ces derniers jours. Ah oui, non, c'est que je pensais à autre chose. En fait, non, il était au cimetière central. Tu vois où c'est? Une très jolie tombe, tu vois, très modeste, mais bon, vraiment belle. Quand tu voudras, je t'emmène. On y va maintenant? Non, là, tu vois, on ne peut pas parce qu'on a une réunion et... là, on ne peut pas. Bah, dans ce cas, demain, alors? Ah, demain? Oui, ouais. Allons-y demain, oui. D'accord. Non, mais bon... ça va me faire quelque chose de voir la tombe de mon père. Oui, c'est sûr, j'imagine que oui. Mais bon, maintenant que tu sais que tu n'as plus de père, Ivan, je veux que tu saches qu'avec moi, tu as un vrai ami. Avec un grand-père sur lequel tu peux compter, pour quoi que ce soit, dès que tu en as besoin, d'accord? Merci, monsieur Léon. Allez. Saoul? Eh bien, merci pour tout et à bientôt. Merci, le tigre. Au revoir, bonne monsieur. Journée. Bon courage à vous. Allez, viens. Quelle déception, franchement. Allez, savoir enfin qui est mon vrai père pour apprendre qu'il est mort. Non, Ivancho, tranquille, là. Non. Et t'inquiète pas, s'il te plaît. Je te comprends. Crois-moi, je te comprends. Je compatis avec tout ce que t'es en train de me dire. Mais bon, le mieux pour oublier ses peines, eh bien, c'est quoi, hein, dis-moi? Un bon sancocho de poisson, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je t'invite. On va à Bocas de Timbiqui, je t'invite à déjeuner. D'accord? D'accord. Très bien. Allons, mon garçon. Ramiro, surveille-moi la boutique. On y va. Maman, franchement, tu sais, tu t'en es super bien sortie. Merci, ma petite chérie, et bon appétit. J'ai tout vérifié à propos du concours départemental de danse à Cali, papa. Comment ça? C'est que figure-toi qu'Otoniel et Yoïssa ont renoncé, et donc ils n'iront pas à Cali. Alors on n'est plus que deux couples, et pour pouvoir gagner, il faut être au minimum trois, papa. Oh. À qui peut-on en parler? Maman, et si on te trouvait un super bon partenaire, est-ce que tu serais partante, toi? Ah non, oublie ça, ma puce, s'il te plaît. Maman... Et pourquoi pas? Ah chérie, bien parce que je n'ai pas envie de danser. Oh. Je n'ai pas envie. Mais si tu recevais un appel de Bogota d'un certain Guari Congo, alors qu'est-ce que tu dirais, dis-moi? Dans ce cas, peut-être, mais de là à ce que ça arrive, tu vois, ma chérie... Non. Bon, alors à qui on va en parler? Je pourrais demander à Marisol. Eh bien, on pourrait peut-être en parler à la partenaire de Rengo. Ah! Elle te plaît bien, en fait, celle-là. Dis-moi, Noah, mais tu vas voir, toi, coquin. Mais non, je dis ça parce qu'il faut trouver un autre couple. Regarde-moi ça. Bien sûr. Alors, parle sérieusement. Hé, hey, mon pote. Comment ça, ton père a claqué? C'est quoi, cette histoire, hein? Oui, c'est ce que m'a dit le tigre. Il était directeur de l'orchestre... de Sabrosura Nietzsche, Aristoteles Carso, c'est comme ça qu'il s'appelait, mais bon, à présent, c'est dans les cieux tout là-haut qui doit diriger son orchestre, tu vois. Ah, quelle tristesse, je suis désolé. Ouais, mais demain, on ira au cimetière pour visiter sa tombe. Personnellement, cette histoire me paraît vraiment bizarre. Parce que parfois, j'allais le voir au coulant trop et... et moi, ce que je sais, c'est que quand l'orchestre s'est dissous, Aristo est parti au Mexique. Mais s'il lui est arrivé quelque chose, je pense qu'on l'aurait su, non? Ouais, moi aussi, ça me semble étrange qu'Aristo ait été le fiancé d'Amparito parce que on les a jamais vus se faire ne serait-ce qu'un câlin, ni un baiser ou quelque chose du genre. Écoute, Ivan, de toi à moi, je vais te dire quelque chose sur ta mère. Elle nous rendait tous fous. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a toujours refusé de s'engager avec l'un d'entre nous. C'est vrai, c'était une femme libre qui faisait tout ce qui lui chantait. Elle était aussi... très joyeuse, pardon. Oui. Dis-lui, toi, que... Comment ça? Qu'est-ce que vous essayez de me dire, les non, gars? Non, simplement que ta mère était une personne adorable, qui avait toujours un sourire sur les lèvres, qui faisait craquer n'importe qui, voilà, voyons, le sourire aux lèvres, quoi. Madame Amparito, elle a quand même dû avoir quelque chose avec quelqu'un, parce que bon, t'es quand même pas l'œuvre du Saint-Esprit non oui, plus. Oui, mais bon, le tigre dit que c'était avec Aristo, alors c'était avec lui. Après tout, c'est vrai qu'elle a passé des journées entières avec lui, non?
non. C'est pas bon, je t'assure. Non, regarde. Non, c'est vraiment pas bon. Non, mais regarde. Attends. Désolée, mais bon, vous dansez très mal et toujours à contre-temps, c'est pas possible. Comment ça? Excuse-moi, mais ceux qui sont à contre-temps, à mon avis, c'est eux. Nous? Non, mais non, vous. Excusez-moi là, mais vous dansez un cha-cha-cha et c'est une salsa. Comment ça? C'est justement avec un cha-cha-cha qu'on a toujours gagné. Ah non, monsieur Abelardo, si vous voulez gagner ce concours là-bas à Cali, il faut danser une salsa, c'est le règlement. Moi, je suis d'accord, oui. Papa, je suis d'accord avec ce que dit Marisol et aussi avec ce que dit Zuka. Hein. Ouais. Papa, en fait, je suis désolée, mais écoute, il faut qu'on danse une salsa. Vous savez quoi? J'abandonne. C'est oh non, tout. C'est pas possible. Débrouillez-vous toute seule, moi je m'en vais. Mais non. Papa, tu ne peux pas me laisser. Viens, va plus aller. Laisse tomber. Oh. Ça va lui passer. Mais qu'est-ce qui lui prend? Je suis d'accord avec Marisol. À Cali, il va falloir danser la salsa. Bien allez, sûr. Répétez les enfants. Vous allez faire un triomphe. Allez, j'ai pareil. Allez, on recommence. On y va, oui. Allez. Bougez-moi ces squelettes. Ça. Voilà, c'est ça, ma belle. Avec envie, ma fille, avec envie. Ouais, c'est ça. Allez, sans partenaire, pourquoi faire? Regarde comme il danse bien. Regarde ça. T'as vu ça, ma chérie? Avec elle, on l'a su. Regarde, vas-y. Allez, frappe sur le carreau. Ça. C'est ça, bien, plier le pied, voilà, c'est bien. Oui. Mais enfin, qu'est-ce qu'il t'a pris de dire à Ivan que c'était le fils de ce Socrates? Aristoteles. Oui, un sophiste. Franchement, mon pauvre petit-fils. Non, ne dis pas ça parce qu'on n'en est pas sûr. Et si c'était le cas, regarde, c'est bien aussi qu'il pense qu'Aristo est son vrai père et qu'il est mort. Et de notre côté, faisons-nous à l'idée que cet Ivan, on ne l'a jamais connu. Qui est-ce que vous n'avez jamais connu? Ah, non, on parle d'un employé très important dans la raffinerie qui est parti vers la concurrence. Mon pauvre amour, oh ma chérie, ça va passer, t'inquiète pas, ça va aller. Oui, je me sens pas très bien. J'aurais mieux d'aller me reposer un peu. D'accord, mon amour. Plus tard. Ciao. Au revoir, mon amour. Non, mais tu as vu comme je déborde d'amour pour cette femme, tu as vu ça, hein? Non, c'est sûr que ça se voit. Maintenant, j'ai besoin d'aide. Et bien que l'amour que tu me portes à moi déborde encore plus. Aide-moi à en finir avec tout ce cinéma avec Ivan. Non. Écoute, c'est que je ne suis pas disposé à me prêter à cette mascarade comme ça. S'il te plaît, papa, en ce moment, j'ai vraiment besoin de toi plus que jamais. C'est que, dans l'état dans lequel se trouve Lida, si jamais elle apprend que j'ai eu un fils avec Amparo, non seulement c'en est fini de notre mariage, mais c'en est fini de moi aussi, tu te rends compte? Mais bon, moi, tu vois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette façon de faire les choses. Écoute, papa, je t'en supplie. Aide-moi à couper ce lien au plus vite. Qu'Ivan voit la tombe d'Aristo et qu'il nous oublie pour toujours. Non, mais pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Écoute, Ricardo, tu sais que j'ai le désir et donc l'intention d'avoir un enfant. Et ça fait un bon moment que j'ai des relations avec mon mari, mais bon, rien. De toutes les manières, lui, il n'en veut pas. Ça ne l'intéresse pas du tout d'avoir d'enfant avec moi. Alors bon, cette nuit, j'ai décidé d'en avoir un sans lui. C'est une mauvaise nouvelle, ça, non? Oui. Ricardo, j'ai entendu qu'il y avait des moyens pour que ma sœur puisse tomber enceinte sans la participation de son mari. C'est possible? Oui. Vous savez, en ce moment, on développe différentes techniques d'insémination in vitro. La seule chose, c'est que pour ça, eh bien, nous avons besoin d'un donneur. Un donneur, hein? C'est d'accord. Mais bon, le seul problème, c'est que ces techniques sont expérimentées seulement en Angleterre. Et il faudrait donc que vous alliez jusqu'à là-bas, parce que ici, ça demandera beaucoup plus de temps, malheureusement. Non. Amadeo. Monsieur. Bonjour. Laisse Elmira terminer la vaisselle et viens faire un tour avec moi. Allez. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin que tu m'écoutes jouer des claves, parce que sinon, je crois pas que je vais passer d'examen avec Ivan. D'accord, Chou. Allez, montre-moi. Oh. Là, doucement. Et parrain, tu sais, vaut mieux pas que tu te fasses d'illusions parce que t'as autant de rythme qu'un arrêt cardiaque. Enfin, ça sonne super mal. Je le sais, ma fille, je le sais. Ça sonne vraiment super mal. Écoute, aide-moi un moment juste histoire de ne pas me ridiculiser devant Ivancho, d'accord? C'est ça le problème, Yudiko. En fait, c'est que 5 minutes, ça sera pas suffisant. Mais enfin, il faut faire quelque chose, garçon. Dis-moi ce qu'il faut faire. Écoute, je suis prêt à tout pour rentrer dans l'orchestre, tu vois? Aide-moi. Prêt à tout, hein? Oui, bien sûr. Alors viens avec moi. Je sais ce qu'il faut faire pour qu'Ivan te dise pas non. Super. Hé! Je les veux bien propres, ces assiettes, ok?
Un hippie en photo travaille plus que toi, tu vois. Allons-y. Bonjour. Assieds-toi, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Non. Non, non. D'abord, je voudrais te parler de quelque chose. Écoute. Je veux que tu saches que... que tu y es ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Si tu t'en allèges, tu sais, j'en mourrai. Et si tu veux avoir un enfant, il n'y a pas de problème. Faisons un enfant, ma puce. On peut en faire deux, même. On peut faire jusqu'à un orchestre, si tu veux. Je t'aime tellement, mon trésor. Je t'aime très fort. Et tu sais, j'ai honte de ne pas t'avoir donné... donné ce que tu méritais. De ne pas t'avoir rendu heureuse à mes côtés. Écoute, ma chérie. Pour de vrai, je t'aime très fort. Et si tu veux, enfin, on peut commencer dès maintenant à faire ce bébé, hein? Oui, ça te dit? Viens là, ma puce. Comme au bon vieux temps, ok? Allez, mon gros bébé. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6... Non, mais on doit être ensemble. J'arrive pas à suivre. 1, 2, 3, 5, 6 et 7. Allez, chérie, concentre-toi. 1, 2, 3, 5 et 6 et 7. C'est ça, voilà. Mais on fait quoi, alors? 5 et 6 et 7. 1, 2, 3, 5 et 6 et 7. Non, mais comment papa a pu m'abandonner comme ça, hein? Je ne comprends pas quel est son problème de ne pas vouloir danser la salsa. Ah, ma chérie, laisse tomber, c'est un petit caprice, ça va lui passer. Oui, d'accord, mais s'il me laisse tomber, alors il va falloir que je trouve un autre danseur. Et là, c'est pas un qui nous manquerait, mais c'est tout. Ah, Marisol, et toi, pourquoi tu ne danses pas? Tu danses bien. Oui, bien sûr, mais bon, et le partenaire? Oh, on est enfin arrivé. D'accord, mais bon, vous savez quoi? Le partenaire qu'il me faut, il est là-bas, à Bogota. Mon frère, c'est ça? Non. Non. Fais pas l'idiote. Non, mais laissez-moi tranquille, enfin, je parle de mon frère à moi, et c'est lui mon partenaire. Allez, parce continue. Que c'est lui qui sait bien danser, c'est pas vrai? Oui, c'est ça. Regarde-la, regarde-la. Oui. Merci beaucoup. Merci, Kalidoso. Au revoir. Comment ça va? Bien. Bien. Mon pote, tu crois qu'avec ces instruments et avec ce matériel, Ivan va avoir pitié et me donner un petit délai pour l'examen? Eh bien, évidemment, quand il va voir tout ça, t'auras même pas à passer d'examen, tu peux me faire confiance. Mais par contre, travaille bien avec les claves. Avec les claves et nos instruments, tu vois. Écoute-moi ça. Pa, 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 pa. Non. Regarde, ça va pas, t'es toujours à contre-temps, enfin. Non mais c'est vrai, tu l'entends pas. Alors quoi, maestro Ivancho? Hein, dis-moi, je suis retenu ou pas pour faire partie de l'orchestre? Non, pour le moment, non. Je vais écouter Amadeo et je vais te donner un peu plus de temps pour que tu joues comme il le faut, ok? D'accord? Ah, merci! Non, ça va, merci, ça va, maestro. C'est bon, je vais ça pas va, vous ça décevoir, va, ça va. Vous savez. Vous savez bien qu'après les embrassades viennent les bisous, hein, attention. Hey, crack, il faut que tu te mettes au point et que tu joues à niveau parce que sinon tu pourras pas intégrer Gruppo Nietzsche, c'est d'accord? Ah, et alors comment ça? C'est définitif, on va s'appeler Gruppo Nietzsche. C'est que maintenant que je sais que mon père était le directeur de l'orchestre original, eh bien je pense qu'on doit rendre hommage à nos aînés comme il se doit. D'accord. Alors, on commence? Oui, on va y aller. Et crack, t'en fais pas, tu vas y rentrer, ok? Bon, tout est déjà branché, tout est prêt, alors on y va. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est comme ça qu'on fait. T'as entendu comment faire? Prac, prac, tac, 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 tac. Avec ma brune, avec ce ta, 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 ta. Voilà. Non, c'est pas du tout ça. Tranquille. Je vais aux toilettes. Trésor, tu sais, je suis intrigué. Qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? Ah, eh bien, j'allais me rendre à Londres. Pour suivre un traitement spécial. Mais finalement, je préfère ce traitement-là. Oui, je préfère rester avec toi. Je préfère ça aussi. Mais là, je suis à moitié mort. Eh bien, il va falloir que tu ressuscites parce qu'on n'a pas terminé, tu vois. Mon trésor avec toi, toute la nuit sans problème. Ok, la 9e, ce sera la bonne, hein? Non, je te fais marcher, crack. 1, 2, 3, 4. Voilà!
Mi negrita y la calentura que tengo me está matando. Mi negrita y su caminado, loco, loco, me están dejando. Ya veo y no creo. No, 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 no. Non, non, c'est pas ça, mon petit crack, mais désespère pas. Hein? Comment? Non, attends. Détends-toi un peu et respire. Et puis lève la tête aussi. C'est que t'as pas besoin de regarder tout le temps les bâtons comme ça, mec, tu vois? Regarde. Un, deux, tac, 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 comme ça. Hein? Voilà, doucement. Tchac, 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 vas-y pour voir. Hé, regarde. Voilà, allez! Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça! Voilà! Ouais! Oui! C'est ça, ouais! Allô? Quoi de neuf? Alors, est-ce que tu as arrangé tes affaires avec ta femme? Oui, tu vois. Et heureusement, tout s'est arrangé. Écoute, ça y est, j'ai fait ce que tu m'avais demandé. Mais bon, tu sais, je me sens mal pour le pauvre Evansito. Je trouve quand même que c'est ignoble ce qu'on fait. Est-ce que tu crois que toute cette mascarade en vaut la peine? Bien sûr que oui, évidemment, enfin. T'as bien fait. Alors dis-moi, quel est le plan à suivre? Écoute, on en parle demain. Et on met ça au point, d'accord? Je te dirai ce qu'il faut faire. D'accord, à demain. Bien, à demain. Avec qui tu parlais, chérie? Je parlais avec mon père. Et qu'est-ce que vous devez faire demain matin, alors? Dis-moi. Organiser les remboursements d'un crédit de la raffinerie. Ah, ok. Merci, non, merci. Non, non, mais c'est vrai, ouais. Que ce monsieur ici est un exemple pour tous les musiciens du monde entier, pas vrai? Alors, on l'applaudit très fort. Ouais. Très bien, Crac, très bien. Si on peut, si on peut. Évidemment qu'on va pouvoir. Bien sûr que oui, on peut. Mais bon, Crac, pour de vrai. Tu l'as très bien fait. Ouais. Merci, merci les garçons. On est ce qu'on est, et voilà. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Allô, maman? C'est moi. C'est toi, mon fils? Ah, quelle joie de t'entendre! Oh, comme je suis contente, mon amour! Oui, mon chéri, je te bénis, mon petit. Que Dieu te garde, mon amour! Ah, et comment ça va par là-bas? Tu n'as pas trop froid, dis? Ah, est-ce que tu manges bien? Du calme, tranquille, maman. Calme-toi, une seule question à la fois. Écoute-moi. Tu sais, maman, je voulais m'excuser de ne pas t'avoir appelé ces derniers jours, mais bon, c'est que... à Bogota, c'est toute une aventure, tu vois. Sinon, tout va bien, maman. J'habite avec Amadeo dans une maison, la maison des Quiñones, des gens du village, Unico et Madame Hortensia. Ah, c'est très bien, je suis contente. Tu vois, maman, j'ai compris pourquoi on appelle Bogota le frigo. Mmh. Il fait un froid de canard, c'est incroyable. Mais bon, sinon, tout va bien, même s'il fait froid. Avec Abelardo qui m'a offert une machine à écrire, eh bien, je me suis recyclé comme comptable de rue, en fait. Ah, félicitations, mon chéri, tu as vu? Ça t'a bien servi d'aller à l'université, hein? Plus que je ne le pensais, maman. Ça me sert vraiment. Sinon, Amadeo et moi, eh ben, on est en train de monter un orchestre. Ah, si rapidement? Ouais, maman, ce qui se passe, c'est qu'ici, à Bogota, on a croisé de vrais personnages. Mais en particulier, un qui était avec toi dans l'orchestre. T'entends ça? Tu peux y croire? Ah oui? Un musicien? Et lequel? Roberto Jordan. Le tigre. Tu as rencontré Roberto? Ouais, maman. La simplicité même, lui et Monsieur Léon. Le truc, c'est que, tu vois, maman, Monsieur Léon, je l'aime déjà comme le grand-père que j'ai jamais eu. Et en fait, le tigre, il m'a raconté toute la vérité. Toute la vérité? Ouais, maman. Il m'a dit qui était mon vrai père. Et en fait, je comprends pas.
Comment t'as pu me le cacher toutes ces années? Parce que moi, je me sens super fier de lui, enfin, fier d'être son fils, tu vois? Ah oui? Et quel nom il t'a donné? Comment ça, maman? Toi-même, tu sais très bien qui c'est, Alan. Bien, le génie de l'orchestre, le directeur. Aristoteles Carso, maman. Roberto, qu'est-ce qui se passe? Arrête ça. Amparo, comprends-moi. On ne peut pas continuer à se cacher comme si on était des voleurs. Je t'aime tellement et j'aimerais qu'on soit ensemble, quoi qu'on en dise, tu vois, bébé. Mais enfin, c'est impossible. S'il s'en rend compte, il nous tuera et on se fera virer de l'orchestre. C'est le moindre de mes soucis, l'orchestre, en ce moment. Ce qui m'importe, c'est toi. Et tu sais quoi? T'es un vrai fou. Bien sûr. Fou d'amour pour toi. Tu es la femme de ma vie et je ne te quitterai jamais. Amparo! Ah, tu vois? Laisse-moi à la fin. J'arrive! C'est vrai que c'est lui? Maman? Allô? Maman, t'es toujours là? Oui, chérie, excuse-moi. En fait, j'ai été distraite parce que ton père me demandait quelque chose. Maman, je te demandais si mon vrai père, c'était bien cet Aristoteles Carso. Oui, on ferait mieux d'en rester là pour aujourd'hui, hein. Non, parce que moi, j'ai besoin de connaître la vérité une bonne fois pour toutes, maman. Le truc, c'est que le tigre m'a dit qu'il était mort. Aristo est mort? Mais quand? Je ne le savais pas. Ça fait quelques années, je pense, mais bon... Enfin... Ça, c'est plus très important, maintenant. Ce que j'ai besoin de savoir, maman, c'est si... Si c'était bien lui, mon père, ou non. Maman, demain, le tigre va m'emmener au cimetière pour voir sa tombe, tu sais. Maman! Allô? Ah. Hey, Yenny! Tu vois, maintenant, on peut dire que cet orchestre est en train de prendre forme. Il s'agrandit parce qu'on a déjà acheté pas mal de matériel et les premiers instruments aussi. Oui? Et d'où vous avez sorti tout l'argent? Non, en fait, Monsieur Unico nous en a donné un peu et en échange, eh bien, il jouera avec nous dans l'orchestre, tu vois? T'es sérieux? Parce que c'est pas que je m'y connaisse beaucoup en musique, mais bon, les fois où je l'ai entendu jouer chez lui, je me suis dit, non, un singe qui tremble est plus en rythme que lui. Non, Yenny, non. Je dois reconnaître que cet homme, c'est vrai, il n'a pas le rythme dans le sang, on est d'accord. Mais c'est Nietzsche. Il faut bien que l'héritage africain soit représenté, et sinon... Eh bien, on lui fera une transfusion. Non, sérieusement, non. On a besoin de lui parce qu'il va nous aider avec de l'argent, tu vois, ça va nous aider. Tu me comprends? Eh bien, si vous voulez, vous pouvez faire un concert ici. Par contre, gratuitement, voilà. Mais bon, ça pourrait vous servir à vous faire connaître, tu sais. Viens. Merci. Avec plaisir. Mais qu'est-ce qui sent si bon, Madame Hortensia? C'est quoi? C'est la soupe que je suis en train de faire avec amour. Elle est délicieuse, tu en veux? Faut pas me poser la question. Assieds-toi, je vais t'en servir. Ouais. Alors? Comment ça va? Mal. Je sais pas pourquoi ils mettent des mathématiques pour un examen de droit. Bon, est-ce que tu veux que je t'aide un peu? J'ai pas besoin de toi, merci. Elle a beau être ma filleule, elle a hérité de mon caractère, cette gamine-là. Non, Madame Hortensia, je la comprends. Elle est concentrée sur ses objectifs. Elle veut que rien ni personne ne l'en détourne. Oui, mais bon, parfois, je trouve qu'elle exagère. C'est sûr que dès qu'elle aura passé l'examen de l'université, elle sera tranquille, elle va changer. Elle pourra enfin se détendre. Et à ce propos, Ivan, vous allez vraiment faire passer un examen à Unico pour qu'il entre dans l'orchestre? Madame Hortensia, ce qui se passe, c'est que le crack fait tout de travers et nous, il nous faut un minimum de rendement pour que l'orchestre... pour que ça puisse marcher, vous voyez? Regarde, ça, ce ne sont pas des dents de lait. Et je sais que pour la musique, il n'y connaît rien. Et alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on le jette dehors, c'est ça? Allons, quelle idée! Mais non, enfin, Ivan! Écoute, ce que je voudrais, c'est que vous ayez un peu de patience. Que vous lui donniez sa chance, et c'est sûr qu'il s'améliorera. C'est que... depuis qu'il a arrêté le football, je ne l'ai jamais vu autant s'enthousiasmer. Et si vous ne le laissez pas intégrer l'orchestre, ça lui brisera le cœur.
Non, ne vous inquiétez pas, Madame Hortensia, on fait partie de la même famille, donc ça se passera pas comme ça, d'accord? D'accord? Désolée, Madame Hortensia, pour ce que je vais faire. Je vais manger la soupe comme on le fait chez moi au village. Avec votre permission. Oui. Trop bon. Qu'est-ce que tu fais là? Amparo, mon amour. Je t'attendais pour te dire que je t'aime à la folie, mon amour. Tu me rends fou, tu comprends ça? Ah, mais non, attends un peu. Tu sais qu'on ne peut pas lui faire ça. Tu me comprends? Arrête, j'ai pas la tête à ça. Comment ça? Et pourquoi pas? Parce qu'Ivan m'a appelé et ça m'a perturbé. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, il a commencé à me parler de choses de l'époque de l'orchestre et... tu sais que ça me fait du mal d'en parler. Diego, une petite bouteille, s'il te plaît. J'arrive, Madame Amparo, un moment. Madame Amparito? Ah, Marisol. Comment ça va, ma chérie? Très bien. Alors? Bonsoir, Madame Amparo. Laissez-moi vous... Comment ça va, Dieguito? Merci. Merci. On peut savoir ce qui vous amène? Ma chérie, c'est les hommes. Mais comment ça? Eh bien, c'est qu'il ne cesse jamais de me surprendre. Marisol, je ne t'ai jamais vue avec un petit copain, ma chérie. Si jamais tu en cherches un, je te conseille de bien chercher. Et quand tu l'auras trouvé, ne te laisse pas envahir par tes envies. Parce qu'après le plaisir arrivent l'effroi et les remords. Et je sais de quoi je parle, tu vois? Ouais. Santé. Santé. Quoi de neuf? Bon, on y va. Allons-y. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Prie pour elle la lumière éternelle. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Que brille pour elle la lumière éternelle. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Que brille pour elle la lumière éternelle. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Que brille pour elle la lumière éternelle. Repose en paix. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Voilà, Ivan. La tombe est ici. Merci. Thank you.
J'arrive pas à croire que ce vieil Aristo soit mort. Oui, moi non plus. Et maintenant, est-ce que tu veux bien me dire ce que t'a dit Ivan qui t'a fait aussi mal? Non. Comment ça, non? Pourquoi non? Parce que je ne peux pas. Il y a quelque chose qui m'empoisonne l'esprit, tu vois. Tant que je réglerai pas ça, je ne peux rien dire. Amparo! 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 Mais attends-moi! Amparo, où vas-tu? Amparo! Amparo! Où vas-tu, Amparo? Amparo! Mon petit, enfin termine ta soupe, c'est le meilleur remède pour les peines de l'âme et du cœur, tu sais. Allez. Eh bien, en vérité, c'est que ça a été difficile pour moi de voir la tombe de mon père comme ça, de tout près. J'aurais aimé lui dire tant de choses. Mais ça m'a donné plus de force, ça m'a donné plus d'énergie, parce que je suis convaincu qu'entre nous, il y a une connexion que même la mort ne peut pas briser. Mon père et moi, on est unis par une mélodie, par la saveur, par le yembéré, ouais, par la musique. Je pense qu'il t'entend en ce moment. Eh bien, le tigre, faites-nous plaisir. Avec tout mon respect, faites-nous plaisir. Venez jouer avec nous, allez. Non. Non, non, en vérité, je ne peux pas. Merci beaucoup. Écoute, tu sais quoi? Ça fait si longtemps que je n'ai pas joué du trombone que j'ai même oublié comment on en joue. Non, 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 Tigré. La musique et le talent, on a ça dans le sang. Et ça ne s'oublie jamais. On est ce qu'on est, non? Alors, faisons ça pour ma mère et pour Aristo et pour la... Sabroussoir Nietzsche. Hein? Allez. Non, je vous jure, merci beaucoup. C'est vrai, merci beaucoup, mais bon, mal joué, ce n'est vraiment pas rendre un bon hommage. Tu me comprends? Ouais, je te comprends, ouais. Bon, on s'y met. On va se préparer pour faire les choses comme il se doit. Comme j'aurais aimé le faire avec mon papa. Voilà la chanson qu'on va interpréter tout à l'heure. Tatiana, est-ce que tu peux me donner l'annuaire téléphonique, s'il te plaît? Bien sûr, oui. Ouais, et comment tu Bonjour, vas? Bonjour, Pocho. Hey, comment ça va? Bah, et sinon, tu fais quoi demain? Merci beaucoup, c'est très gentil. Qu'est-ce que tu es en train de chercher dans cet annuaire? Tu peux me dire, Amparo? J'étais en train de chercher le numéro de téléphone de Yuniko Quiñones, parce qu'Ivan et Amadeo sont chez lui. Yuniko Quiñones? Oui. Le grand Yuniko Quiñones, l'ancien gardien de but du club de Bogota? Je pense oui, parce qu'avec un nom pareil, il doit pas y en avoir beaucoup dans le monde. Alors je vais t'aider à le chercher. Bon, tu vois, il faut que tu me dises ce que t'as dit, Ivan. Tu sais quoi? D'abord je parle à Ivan et ensuite je te raconte tout, d'accord? Saul ne peut pas venir parce qu'il a eu des problèmes au kiosque, mais bon, on va quand même commencer sans lui, ok? Crac, tu suis bien la mesure, ok? Ouais, ouais, bien sûr. Cette chanson, je veux la dédier à la personne qui m'a donné la vie et que j'aurais aimé avoir à mes côtés pour diriger ce groupe, mais bon, je sais que depuis là-haut, tu me soutiendras toujours, pas vrai? C'est parti. 1, 2, 3, 4... Ta 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 ta. Ok, ok. Juntos, caminemos juntos. Otra oportunidad que me da la vida. Saber que tú eres mi obra consentida, el hijo que pidiera cuando a tu madre conociera. Excuse-moi, allez, vraiment, venez. Je peux plus voir ça, moi. Allez! Allez!
con savia fresca de aquel árbol. Imaginación acude en el peligro. Sobrio cuando tomes decisiones. Sabio preparando el camino. Amigo, saber cuál es el amigo. No hagas caso al que es mezquino. Toca la puerta el buen vecino. Anota en tu memoria las traiciones. Considera y busca las razones. Renuncia para siempre a las pasiones. Únete a mí, así más fuerte y adelante. Wow! Wow, bien! Ça, c'est un moment unique, les amis! Unique. Hey, Tigré! Vous êtes le meilleur! Ah. Cette musique, je pense qu'elle pourrait sans aucun doute allumer le feu sous l'eau, c'est vrai, non? Et faire fondre n'importe quel bloc de glace aussi. Très spirituel. Écoute, Ivan, il faut que je te dise quelque chose, d'accord? C'est que toi et le tigre... Nous sommes de la musique, oui. Nous sommes de la salsa, de la saveur et du yambeke, oui ou non? Ouais. Papa, viens voir, s'il te plaît, que je t'explique une chose. Calme-toi un peu, non? Tu ne vas pas te ridiculiser avec ces pleurnicheries. Oui, mais bon, écoute, c'est que te voir jouer avec Ivan, ça m'a fendu le cœur. Pourquoi est-ce que tu continues à nier alors qu'Ivan est ton fils, enfin? Et si c'est pas toi qui lui dis, eh bien je le ferai moi-même. D'accord. J'ai compris, papa. Si quelqu'un doit lui dire, eh bien ce sera moi. Fais-le alors. Ivan. Écoute. Voilà, j'ai quelque chose de très important à te dire, en fait. Ivan? Toi? Écoute, tu as un appel très longue distance de ton village. Je reviens. Alors cours, mon grand. Ça vient du port, ouais, j'en suis sûr. Tu pourrais me laisser parler toute seule avec lui, s'il te plaît? Et pourquoi est-ce que je ne pourrais pas entendre ce que tu as à lui dire? Parce que ça me gêne, et que je ne pourrais pas lui poser les questions que je voudrais lui poser. Ah oui. D'accord, très bien, madame. Alors je m'en vais, je ne voudrais vraiment pas te gêner. Allô? Allô, ça va, mon chéri? Bonjour, maman, mais comment t'as fait pour avoir ce numéro de téléphone? C'est une voisine qui m'a prêté son annuaire téléphonique, et là, je t'appelle d'une cabine. Et toi, comment ça va? On revient juste du cimetière, et c'est le tigre qui m'a emmené jusqu'à la tombe d'Aristoteles. En fait, on lui rend hommage comme il se doit, tu vois, on lui fait un hommage musical. Ah! Alors c'est vrai, il est bien mort? Ouais, maman. C'est triste, non? Ça me fait très mal, mais ça me donne aussi plus de force pour poursuivre mon rêve de former un orchestre, maman. Et j'ai la chance d'avoir des personnes autour de moi comme le tigre qui est en train de jouer du trombone avec nous en ce moment. Ah oui? Ouais, maman, tu vois... Le tigre, c'est un sacré virtuose, vraiment. Parce que malgré toutes ses années sans jouer du trombone, il n'a pas fait une seule faute, t'imagines? Oui, c'était le meilleur de tous, tu sais. Et dis-moi, il est là avec toi par hasard? Tu peux me le passer? J'aimerais bien lui parler. Bien sûr que ouais, maman. Je te le passe tout de suite, je te le reprends tout de suite après, d'accord? Très bien. Hé, le tigre! Eh oui, c'est ça la salsa. Hé, le tigre! Venez un moment au téléphone, là-bas. Au téléphone, moi? Ouais, en fait, il y a ma mère qui voudrait vous saluer. À moi? Hein? Ne reste pas donc planté comme une statue. Allez, mais va parler avec elle. Venez. J'y vais alors. Ça y est, maman, le tigre est là. Je te le passe et on reparle tout de suite après, d'accord? Hé, Roberto, quand vous aurez fini avec ma mère, dites-le-moi, il faut que je lui dise quelque chose de très important, d'accord? Mais je vous laisse parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Allô? Tu n'as pas du tout changé, hein? Amparo. Je n'arrive pas à y croire. Quelle joie de t'entendre après toutes ces années. Roberto... Pourquoi as-tu été dire à Ivan qu'Aristoteles était son papa? Eh bien... Il n'était pas censé être ton fiancé ou je me trompe? Et donc tu as oublié que ça ne nous a pas empêchés de sortir ensemble? Non, je n'ai jamais oublié, bien sûr. Tu sais que j'étais complètement fou à l'époque. Mais bon, tu sais, à tes côtés, j'ai passé les plus belles années de ma vie.
On vivait, toi et moi, comme dans un rêve, pas vrai? Et qui s'est transformé en enfer. Mais bon, tu vois, cet enfer t'a laissé un garçon vraiment merveilleux. C'est la seule chose de bien de cette époque. Amparo, dis-moi une chose. Ivan est bien mon fils, oui ou non? Tu es toujours pareil, c'est incroyable, ça. Ah, et moi qui pensais que tu aurais changé un petit peu au moins, mais non. Après tous les compliments qu'Ivan a fait sur toi. Mais bon, non. Je vois que tu restes le même lâche que tu étais, tellement dégonflé, incapable de défendre réellement ce que tu crois et ce que tu aimes. Mais tu sais quoi? Tu as vu juste. Ivan est le fils d'Aristoteles. Je préfère qu'il continue de penser ce que tu lui as appris. Et puis aussi, ne t'avise pas de lui dire un seul mot de plus sur ce que l'on a vécu toi et moi. Et sur mon passé, c'est clair? Et j'espère aussi que tu ne penses plus à nous deux, parce que c'est de l'histoire ancienne. Sinon, dis à mon fils que je l'appelle plus tard. Je dois y aller maintenant. Amparo, qu'est-ce qu'il s'est passé? Laisse-moi tranquille, ok? Qu'est-ce qu'il s'est passé, Amparo? On en parle plus tard. Amparo, comment ça? Mais attends-moi, enfin! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as dit, Amparo? Hein? Et pourquoi est-ce que tu fais cette tête-là? Non, c'est que... il s'avère que j'avais raison, que... Ivan est bien le fils d'Aristoteles. Comment ça? Elle t'a donc dit ça? Alors c'est donc sûr maintenant qu'Ivan est bien le fils d'Aristo? Oui, j'avais des doutes sur le fait que je sois le père d'Ivan. Mais maintenant, non. Je te l'assure. Ce qu'a fait Amparo, c'est de se plaindre de mon attitude. Parce que je n'avais pas dit la vérité. Moi, je la connais. Et je suis vraiment sûr que... qu'Ivan est bien mon fils.